Sur cette chaîne, nous parlons beaucoup des sujets qui tournent autour de l'intelligence artificielle et un peu du marketing digital. Donc, si ce sont des sujets qui te passionnent, abonne-toi à la chaîne. Dans ce tuto rapide, je vais vous montrer ce site web qui va vous permettre de créer aussi votre site, votre blog rapidement et en quelques clics. Créer un site web de format WordPress est maintenant à la portée de tout le monde. Si tu maîtrisais déjà l'utilisation de certaines plateformes telles que cette plateforme que nous allons étudier et examiner tout à l'heure dans cette vidéo. Nous allons très vite vous montrer ce site qui s'appelle 10web ou 10web en français, qui va vous permettre de construire un site web rapidement du format WordPress et en quelques clics. Il suffit simplement de remplir quelques champs, quelques informations de site, l'image du site que vous voulez avoir, et l'IA va vous générer rapidement votre site web. Et vous allez maintenant revenir et modifier. Nous allons cliquer ici pour créer, générer notre site. Et alors donc ici, nous avons deux possibilités. Nous pouvons traduire en français pour que ça soit à la portée de tout le monde. Nous avons deux possibilités de la création de site. Nous pouvons créer un site web avec l'IA, comme nous pouvons convertir un site web existant en WordPress avec l'IA. Donc, nous avons deux possibilités ici. Alors, donc, ici, nous allons créer un site web avec l'IA. Alors, on nous dit ici de donner le type d'entreprise que nous voulons construire. Alors, vous allez maintenant ici parler aborder le type. Ici, quand vous cliquez sur les champs, vous avez des suggestions d'éléments que vous pouvez cliquer. Et ici, nous allons cliquer justement sur agence digitale. Donc, si c'est un sujet, il y a un site qui va tourner autour de la digitalisation, donc vous pouvez cliquer sur là. Alors, je clique sur suivant. Et à ce niveau, nous allons évidemment aussi remplir ce champ et cliquer sur suivant. À ce niveau aussi, nous allons donner le nom de notre entreprise. Donc, je veux créer un blog, à titre d'exemple, créer un blog qui va traiter le sujet qui tourne autour de perte de poids. Donc, perte de poids en mangeant ce que tu aimes. Nous allons décrire notre entreprise. Donc, je vais coller ce que le test qui est préparé. Il est important de donner une bonne description à votre site à l'IA. Il est important de décrire bien votre site à l'IA pour avoir de bons sites. Catégorie et services que vous voulez rendre. Vous allez donner trois exemples de services que vous voulez rendre. Donc, coaching. Et vous allez continuer. Et ici, vous allez maintenant choisir s'il s'agit de site formel ou informel. Nous allons laisser sur informel. Et à ce niveau, nous allons justement remplir les informations. Si nous avons déjà un compte, nous allons justement remplir. Nous allons mettre notre adresse mail et le mot de passe. Et si nous n'avons pas encore un compte, nous pouvons maintenant créer un compte avec notre compte Google et rapidement nous allons revenir ici où nous pouvons maintenant voir que notre site web est en train de générer. Voilà, donc l'IA est en train de créer pour nous les page par page. Vous voyez que ça tourne. Donc on entend un tout petit peu pour voir comment l'IA va générer notre site web. Voilà, donc ça reste un point. Voilà, donc le site est bravo, votre site web a été créé avec succès avec l'IA.
Et puis je clique sur aperçu, voilà mon site web. C'est le site web que l'IA va générer. Il tourne autour de perdre du poids. Comment perdre du poids rapidement. Nous pouvons aussi regarder un peu. Vous voyez, donc c'est en anglais. Et ce qui est bon, nous pouvons aussi traduire en français. Donc, nous allons utiliser une traduction de notre Google Traducteur pour traduire en français. Donc, vous voyez que l'IA m'a généré des images. Bon, si j'avais mieux fait la description, ça pouvait aussi mieux générer les images plus que ça. Vous voyez, donc, ce qu'il y a là, je n'ai pas. Vous voyez, donc, c'est les fruits. Ce qui est noir, là, je ne comprends pas trop. Mais nous pouvons tout changer, nous pouvons tout modifier si nous voulons. Alors, donc, j'ai beaucoup. Et nous pouvons tout modifier, tout ce qui est là. Et ici, les tests aussi, nous pouvons modifier. Nous avons évalué notre évaluation à vie de client. J'aime beaucoup ceci, l'image que l'IA m'a générée ici. Les caractéristiques, avantages. Alors ici aussi, je n'ai pas bien compris cette image. Je ne sais pas si c'est un être humain qui est l'IA en train de me générer comme ça. Alors, donc ça ne ressemble pas du tout à un être humain, mais je peux toutefois aussi changer et tout modifier. Et il suffit simplement d'aller sur Pixel ou d'utiliser autre plateforme de l'IA pour modifier toutes ces images-là et aussi utiliser les plateformes de l'IA comme ChatGPT et autres pour modifier le texte rapidement en quelques clics. Vous voyez, par exemple, l'image qui est en bas ici qui illustre les clients, par exemple. Vous voyez que c'est bien fait. On ne dirait même pas que c'est l'IA qui a généré cette image. C'est bien fait et donc c'est une bonne image. J'ai apprécié cette image. On n'a pas eu le temps de lire les tests, de lire ce que l'IA m'a écrit dans les tests. Mais je crois que ce n'est pas forcément ça l'essentiel. Nous pouvons revenir sur ça et lire pour voir ce que nous pouvons garder et aussi voir ce que nous pouvons changer. Ça ne pose aucun problème. Ici, nous pouvons, par exemple, ici modifier les palettes de couleurs. Vous voyez, et c'est à ce niveau, sur le petit crayon là, nous pouvons aussi ici modifier tout. Vous voyez, si vous maîtrisez un peu Elementor avec WordPress, vous allez déjà comprendre ici que c'est Elementor, constructeur de page Elementor que vous allez utiliser pour modifier tout ce qui est ici. Alors ce n'est pas forcément l'objectif de la vidéo, mais c'est juste pour vous montrer comment vous pouvez utiliser un web pour créer un site rapidement. Alors, le site n'est pas gratuit, mais quand même, vous disposez au moins 7 jours gratuitement pour créer le site. Alors, donc, et ce que je vous conseille, je vous dirai un peu plus tard, vers la fin de la vidéo. Nous pouvons créer facilement, tel que vous voyez ici, et modifier comme ça, modifier tout ce que nous voulons, changer tout ce que nous voulons sur les images. Changer les tests et tout ce que nous voulons, nous pouvons changer rapidement avec Ten Web. Alors, il est essentiel de comprendre que lorsque nous voulons nous voulons héberger notre site sur cet hébergeur. Ça va nous prendre au moins 20 euros par mois. Donc, je ne sais pas pourquoi ça devient de plus en plus cher. Mais ça offre aussi des services vraiment impeccables parce que les avis des clients vraiment sont vraiment intéressants. Donc, c'est à vous de voir si vous allez dépenser 20 euros. Sinon, vous pouvez toutefois, lorsque vous créez le site, modifier tout
dans le délai de 16 jours, vous allez tout modifier. Et après maintenant, ce que j'aurais à vous conseiller, vous pouvez utiliser sur cet hébergeur LWS que j'ai beaucoup apprécié. C'est un hébergeur français que j'ai plusieurs fois utilisé et comparativement le coût, vraiment, je crois que c'est profitable. Lorsque vous débutez, vous n'avez pas vraiment, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir payer 20 dollars par mois. Donc, vous pouvez utiliser cet hébergeur. Par exemple, ici, lorsque vous prenez un hébergement, par exemple, du moins, lorsque vous prenez un hébergement pour pouvoir héberger votre site, ça vous coûte environ seulement 21 euros. Lorsque vous prenez mon code promo CK510, par exemple, vous allez encore 15% de réduction. Ça vous revient à environ 8 euros par an, voilà, donc, au lieu de 20 euros par mois chez TenWeb. Mais vous pouvez, lorsque vous prenez l'hébergeur ici chez LWS, là vous allez migrer le site que vous avez créé chez TenWeb vers LWS. C'est facile, il suffit simplement de copier l'adresse mail et l'URL du site et c'est fini. Si vous ne savez pas faire, vous pouvez contacter le service client de LWS rapidement et c'est en quelques clics. Et j'ai eu affaire avec un site chez LWS, c'est très facile et c'est rapidement fait. Alors donc, vous prenez l'hébergement avec LWS et après vous allez migrer votre site que vous créez ici chez TenWeb. Vous allez migrer vers LWS. Et là, ça serait un peu plus facile pour vous de payer environ 18 euros par an. Et donc, ce que j'aurais vous conseiller.